Culture. Alors, la culture et les bonnes pistes. Les bonnes pistes, les bons plans. C'est vrai qu'en ce moment, vous savez, hein, donc on est quand même dans une ambiance plutôt des petites sorties sympathiques. C'est un peu même les organisateurs d'événements culturels et artistiques. Ces semaines sont aussi en train de faire un peu, c'est un peu la période des bilans, des congés, etc. Et puis nous avons aussi un rendez-vous important, ce sont les élections présidentielles. Donc c'est aussi, nous sommes dans une ambiance aussi particulière et c'est très bien. Donc ça donne aussi une autre dynamique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement... je le disais, pas mal d'expositions, des rencontres. On est plutôt dans, vous le disiez tout à l'heure, des sorties, des déplacements en pleine nature. Beaucoup de personnes s'organisent à travers les réseaux sociaux pour trouver le bon plan naturel, hein, aller dans certaines fontaines, dans certains lacs, découvrir des lacs naturels, entre des rochers, dans des espaces magnifiques, à travers tout le territoire national. Désolé, c'est mon portable qui me fait des petits des messages, certainement, de bon. Ça, c'est les bonnes idées qui affluent. C'est voilà. Les bonnes idées et c'est surtout les saluts de nos amis auditeurs qui nous écoutent ce matin. On les embrasse. On embrasse très fort notre amie Soraya, notre amie également Kauter, qui elle aussi est dans le bijou et a aussi quelques expositions qui se font au niveau notamment de certains espaces culturels et artistiques qui proposent des produits artisanaux. Lié à la saison estivale et lié surtout à ceux qui viennent d'ailleurs pour la période donc des vacances. Vous savez, on a toujours envie de prendre des objets liés au pays pour garder cette odeur là où on est. Voilà, repartir toujours avec des bons souvenirs dans les bagages. Absolument. Voilà. Sans dépasser les 23 kilos. Sans dépasser 23 kilos. Et puis, on leur souhaite un très bon séjour chez eux et un bon retour avec tous les beaux souvenirs qu'ils gardent dans leur tête. Merci Nina. Merci.